Alors bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve pour un nouveau déballage. Alors je m'excuse tout de suite déjà pour la qualité de l'image et de la vidéo. J'ai des petits soucis pour le moment pour enregistrer, donc je fais avec les moyens du bord. C'est filmé depuis un portable, un PC portable, donc c'est pas l'idéal. Je vais essayer de régler ça au plus vite pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Mais voilà, on va faire comme on peut. Avec donc les moyens du bord, comme je disais. Alors pour aujourd'hui, bah, c'est un petit colis, c'est pas énorme, c'est juste une voiture, c'est une jolie modèle. Alors j'ai ces paquets depuis un petit moment, mais une nouvelle fois au niveau des problèmes des enregistrements, donc j'ai dû essayer de trouver des astuces. Donc c'est pour ça qu'elles sont déjà arrivées depuis un bon moment et que je les diffuse seulement, enfin que j'enregistre seulement aujourd'hui. Alors, pour la voiture qui nous concerne aujourd'hui, c'est un modèle déjà présenté sur la chaîne. Donc, c'est une jolie modèle hein, que j'avais déjà l'occasion de présenter il y a quelques temps. Alors, bah, ouais, la voiture, elle est toute simple. C'est le carton idéal pour la miniature. Alors, j'avais dit que ça filmait en miroir, mais non. Enfin, finalement, ça ne filme pas en miroir. Ça m'arrange. Alors, voilà. Donc, la miniature. Donc, c'est une 225, 250S. Des 1000 milliards de 1952, conduite par, enfin, pilotée par Braco, qui porte, ben, comme vous pouvez le voir, le numéro 611. Donc, 600, numéro 611. Alors, on va faire la déballer comme on a l'habitude de faire pour voir de plus près ce qu'elle en dit. Alors, les boîtes vertes, hein, comme je vous disais, il y a plusieurs types de boîtes. Ben, cette fois-ci, c'est une boîte verte. Pas mal, ça change un peu de toutes les décorations qu'ont les autres miniatures pour les décorer. Donc la voici. Donc je suis désolé pour la qualité de l'image, c'est pas top top, mais je pense que ça fera l'affaire. Il y a quelques temps que je trouve de quoi refilmer de qualité, de manière optimale. Donc c'est de la résine une fois de plus, hein, art model art model. Joli modèle, désolé, j'ai la journée dans les pattes. Je suis la vidéo, il est pratiquement 6 heures. Donc j'en ai un petit peu dans les pattes, mais c'est de la résine et je l'ai payé 34,95 avec les frais de port. Voilà. Voilà. En somme toute, elle est assez simple, mais le numéro 611 sur cette 225, cette 250, j'y arriverai. T'as un numéro ben, voilà, bien connu des fans de la 1000. Voilà, on va la remettre dans sa boîte. Voilà. Hop, c'est pas évident parce que le plastique a bougé un petit peu. Hop. Et donc, voici pour cette vidéo. Donc, ce sera la seule, hein, comme j'avais bien expliqué au début de la vidéo. Ce sera la seule. Il y a d'autres vidéos en préparation vu que maintenant j'ai trouvé un petit peu l'astuce pour filmer. Donc sans l'appareil, enfin sans la caméra, et que c'est filmé directement du PC portable. Donc encore une fois, ça explique la mauvaise qualité de l'image, mais je pense que ça passe quand même. En tout cas, le temps que je trouve la solution. J'ai eu un blanc parce que j'ai eu un blocage. Voilà, bon, cette vidéo sera une vidéo de test à la base. Voilà, donc je vous remercie pour l'indulgence que vous allez m'accorder pour ces quelques vidéos qui vont suivre, le temps encore une fois de trouver une alternative. N'oubliez pas de vous liker, franchement je suis crevé, de liker la page, enfin de vous abonner à la page, de liker la vidéo, de la partager, ce serait sympa. On ne sait jamais pour plus tard, si j'arrive à avoir un certain nombre d'abonnés, il y aura peut-être bien des petits concours sur cette chaîne. Voilà, je vous retiens pas plus, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ce sera des Hot Wheels Elite qui sont arrivés plus ou moins au même moment. En attendant, portez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir.